Ces images peuvent quand même heurter la sensibilité des plus fragiles. Donc là, il va falloir descendre les escaliers qu'il y a juste là, et après ici, se mettre sur la voie arrière et remonter par là. C'est énorme. Et salut à tous, c'est JM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Et encore une fois, vous allez venir avec moi à la recherche de nouveaux spots dans une nouvelle ville. Mais aujourd'hui, ça sera quelle ville? Il est 10h, je viens d'arriver et je vais vous faire découvrir cette nouvelle ville. Allez, c'est parti, on y va. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, aujourd'hui on est sur 7. Donc vous allez venir avec moi à l'entraînement, comme d'habitude, chercher des spots à faire avec mon vélo trial et puis en même temps découvrir cette nouvelle ville. On perd pas de temps, je viens de trouver un petit spot sympa. Voilà, donc le but ça va être de monter sur la butte en acier ici là, puis sur le dessus du banc. Allez, spot suivant trouvé. Donc là, il va falloir monter sur les différents blocs, ici, 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 puis après partir de celui-là, arriver à celui-là, et après redescendre. Alors, vous en pensez quoi? Dites-moi juste en bas. Allez, next. Allez, un nouveau spot, je vous le montre de suite. Donc là, il va falloir descendre les escaliers qu'il y a juste là, et après ici, se mettre sur la voie arrière et remonter par là. Allez, nouvel enchaînement, précision et équilibre. Donc là, tout simplement, va falloir passer de bloc en bloc. Hop, 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 jusqu'à celui-là. Oh, c'est vraiment galère, j'y arrive pas pour l'instant. Allez, on s'y remet. Allez, nouveau spot trouvé. Il va falloir ici passer du trottoir là, jusqu'à la bordure ici, jusqu'au banc, rouler sur le banc, renvoyer sur le bloc de béton ici, hop, rouler ici, renvoyer sur le banc, puis envoyer sur le dossier. D'envoyer la roue arrière sur le dossier du banc, j'ai préféré passer au-dessus, je trouvais ça plus stylé. Vous en pensez quoi, vous? Cherchons le spot suivant. Allez, nouveau spot. Donc là, il va falloir rouler sur le mur ici, envoyer là, puis descendre. Ici le but ça va être de monter sur le mur en roue arrière, descendre ici et puis en sortant ici faire un 360. Allez go! Allez, nouveau spot trouvé. Donc monter le mur ici en bunny, puis après descendre ici là en 3-6. Yeah,
Allez, il y a ce petit latéral qui me démange. Niveau hauteur, c'est quasiment ma hauteur maximale. C'est celui-là. Au niveau de la roue arrière, le mur est légèrement plus haut. Alors, on va essayer de le faire et on verra en combien d'essais je le réussis. Allez, ici une série de 5 marches qu'on va essayer de monter directement. Voilà, c'est celle-là. On va essayer, je suis vraiment pas sûr. Allez, là j'ai mis la barre un peu trop haute. Ma roue avant est arrivée en haut des 5 escaliers. Par contre, ma roue arrière est arrivée seulement au 4ème. C'est trop compliqué, je pense que je vais pas pouvoir réussir. On continue à chercher des spots, c'est parti. Allez, là il est midi, je vais encore tourner un peu pour chercher des spots. Et je pense que je vais manger dans pas longtemps parce que je commence un peu à avoir faim. Ça fait depuis 10 heures que je roule et là, je commence à avoir la dalle. Allez, juste une dernière ligne avant d'aller manger. Là, il va falloir enchaîner les blocs en béton. Là, 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 là et celui-là. Allez, c'est 13h, c'est l'heure de la pause repas. On va manger un bon sandwich poulet curry, puis après on va retourner chercher les spots. Allez, j'ai fini de manger. Là, je reprends la voiture et on va en direction du phare de 7, puis direction l'observatoire. Allez, go! Après le bunny que je viens de faire à côté du phare, j'en ai trouvé un autre un peu plus grand, regardez. Donc là le but c'est de monter ici là. Donc on va un peu céder du plan incliné, vu qu'il est quand même beaucoup plus haut que d'habitude. Donc on va monter ici, hop, juste là. Ici je vais faire un 180 et puis après je vais descendre ce mur en 360. Allez voilà, ligne validée. Par contre, je vais juste faire un dernier essai pour le bunny qu'il y a au début là, ce bunny ici. Je vais essayer de faire un dernier essai pour essayer de monter un peu plus haut. Je pense pas arriver quand même en haut, mais bon, on va essayer. Allez, go! Alors celui-là, je m'y attendais pas du tout. Ouh, je suis arrivé directement au haut du mur, je pense que j'étais pas sur la pente. Hein. On va quand même regarder ça au ralenti, mais je pense que je suis arrivé directement en haut du mur. Allez, place au ralenti. C'est bien ça, je suis arrivé directement en haut du mur, en roue arrière, sans m'aider à la pente. C'est énorme. Bon voilà, le phare de 7 c'est fini. Là je viens de faire le Mont Saint-Clair. Là j'ai un petit problème, j'ai quasiment plus d'essence. Donc on va d'abord faire un peu d'essence. Et puis après on essaiera d'aller sur la corniche et sur le cap de 7. Allez c'est parti. Allez, maintenant on est sur la corniche de 7. Et j'ai trouvé encore quelques petits spots. Voilà, ici il est sympa celui-là. On monte sur le banc, après on monte là. Puis après, soit on descend ici sur le banc et après on fait un petit 3-6. Ou on verra. En tout cas, le spot c'est celui-là. Hey, j'espère qu'avec le banc vous allez bien m'entendre, que le micro va pas saturer. Bon ici une petite ligne toute simple, bien rapide, rien d'exceptionnel. Le but de cette ligne c'est de passer d'ici à là. J'ai trouvé un spot excellent. Par contre, attention, si vous avez le vertige,
cette vidéo n'est pas faite pour vous. D'ailleurs, j'en profite pour signaler une chose. J'ai fait ces séquences en toute sécurité. J'ai fait un repérage à pied avant. Je préfère le dire parce que ces images peuvent quand même heurter la sensibilité des plus fragiles. Yes! Yes! Je suis super content. Finir une vidéo comme ça, eh ben ça, j'achète! Voilà, c'est top les amis. Pour moi c'est fini, donc on va conclure. Et voilà les amis, c'est ici que s'arrête la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un joli pouce bleu. Mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Tant qu'à faire, dites-moi aussi votre passage préféré. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en bas de la vidéo. Allez, je vous dis ciao ciao les amis et à vendredi prochain, 19h.